Je suis formateur HSE, expert HSE, et j'utilise la formation virtuelle. Pourquoi la formation virtuelle? Parce qu'après près de 20 ans de formation HSE diverses et variées, j'ai constaté que, d'abord, la présentation PowerPoint que vous pouvez utiliser et qu'on utilise depuis des années, ça ne fonctionne pas. La vidéo, ça fonctionne un petit peu mieux. La réalité virtuelle, ça fonctionne bien. Une majorité de gens retiennent 90% de ce qu'ils vivent réellement. On utilise nos quatre sens avec la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vivre l'instant présent, vivre l'accident ou pas. Ça dépendra si vous utilisez vraiment les protections individuelles qui vous sont proposées. Donc, c'est ça la réalité virtuelle. Vous allez vivre quelque chose. Vous allez faire un travail. Un travail qui sera celui que vous proposera la personne dans l'univers 3D. Et grâce à ça, eh bien, vous allez apprendre très facilement, de façon ludique, avec cet appareil-là. D'ailleurs, mademoiselle va essayer. Donc, la demoiselle est équipée d'un casque, de manettes, qui sont en fait ses mains virtuelles. Et elle va pouvoir agir dans l'environnement en 3D. Elle va circuler dans cet environnement. Elle va se téléporter de place en place. En l'occurrence, là, il s'agira, là, elle est dans le bureau. Mais elle va aller dans une usine après. Elle va pouvoir agir sur l'environnement en traitant les anomalies qu'elle va détecter. Donc, elle prend un appareil photo. Voilà, elle clique là, elle est dans le bureau du manager. Elle clique sur les anomalies qu'il y a dans le bureau. Ensuite, elle se propulse à l'intérieur de l'entrepôt. Elle est à l'intérieur de l'entrepôt. Et là, elle va circuler sur les passages piétons, bien sûr, et essayer de détecter des anomalies. Ça va lui permettre d'aiguiser ses sens pour faire une vraie chasse aux anomalies dans un entrepôt. Ça lui permettra par la suite de détecter beaucoup plus facilement parce qu'elle saura là où il y a des problèmes. 25 anomalies, en quelques minutes, elle va les trouver. Bon, vous pouvez les apercevoir, des extincteurs qui sont mal accrochés, des échelles qui sont sur le passage piéton, des gens qui fument, d'autres qui mangent sur leur lieu de travail, des escaliers encombrés, des sorties de secours encombrées. On l'a tous vécu, ce genre de choses. La sortie de secours fermée à clé, etc. Voilà, des rambardes qui manquent. Bref, tout ce type d'anomalie qu'il faut détecter, qu'il faut rectifier et ne pas attendre que l'autre rectifie. Donc là, elle va le faire dans un environnement virtuel, mais après, elle le fera dans la réalité beaucoup plus facilement parce qu'elle sera formée. Elle aura le réflexe de le faire. Ça sert à ça aussi, la réalité virtuelle. Ça sert à améliorer la sécurité, éviter les accidents et l'accident grave qui pourrait survenir dans votre société.